L'intimidation chez les personnes aînées est une réalité. Elle concerne particulièrement les personnes perçues comme différentes, comme par exemple les 10% des aînés qui sont homosexuels ou trans. Si vous vivez une situation d'intimidation, ne restez pas seul. Si vous en êtes témoin, il est important de réagir. Contactez la ligne Aide à but aîné pour vous accompagner et face à des situations à caractère homophobe, vous pouvez contacter la Fondation Émergence pour la sensibilisation du milieu aîné à la diversité sexuelle et de genre.